born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows your suffering will be legendary even in hell. Aujourd'hui, on va changer notre prisme sur le monde avec Dead Space 2. J'ai fait un faux démarrage tout à l'heure. Alors pourquoi Dead Space 2? Alors on va le faire en hard. Parce qu'on vient de terminer le 1. En hard, et en ce moment je suis dans une séquence comme d'habitude de survival horror. Hier on a fait on a commencé Visage, et en terminant Dead Space 1 en hard, je sais pas, j'ai encore envie de plus, voilà. Donc j'avais déjà terminé Dead Space 2 en hard il y a 5 ans, et là on va essayer de terminer 5 années plus tard le 2 une nouvelle fois, en espérant que ça ne merde pas. Oui, alors je disais que ça avait fait un faux départ parce que, comment dire, tout était trop sombre en fait. Donc, alors j'hésite entre survivant et fanatique, sachant que je viens de terminer Dead Space en hard. Est-ce qu'on se lance en fanatique? J'ai envie de le faire en survivant. Bon, le normal, on va le faire en survivant. Pour les habitués de Dead Space, munitions et ressources moins abondantes et ennemis plus dangereux. Ouais, on fait survivant, ça me paraît bien. Putain, fanatique, ça me tente, hein. Munitions et ressources rares, ennemis sans pitié. Ah, je pense qu'on peut en chier grave, hein, avec le mode fanatique. Hein. J'ai peur de rage quit. J'ai peur de moi. Là. Je sais que déjà qu'en hard, j'en ai un peu chié. On va le faire en survivant. Je veux pas de la... je veux pas de l'injustice. Et puis déjà on va en chier en survivant, hein. C'est le mode hard. Ils ont rajouté des modes plus difficiles. Bon, après on va voir, hein. Ça se trouve le jeu est plus simple. Je me souviens plus. Je me souviens plus vraiment. En tout cas c'est un plaisir. C'est un plaisir de le refaire. J'espère que le son du jeu va pas être trop fort. Isaac, tu m'entends? Réponds, Isaac! Oh, pardonne-moi. M'en veux pas, Isaac, c'est à cause du décalage. Non, c'est je te rappelle. Bon. Et comment ça va? Bien. C'était vrai, Isaac. L'Ishimura est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance de servir à bord. Ah, profites-en. Il prévoit de le remplacer pour l'année Isaac, prochaine. Merci. Pourquoi?
pour m'avoir tant soutenu. Je crois bien que sans toi, je n'y serais jamais arrivée. Tu as tant fait pour moi. Rappelle-toi, nous nous sommes séparés 6 mois pour que tu vives ton rêve. Je crois qu'on va être hors de portée du relais. Alors malheureusement, c'est l'opus où Isaac parle. Très mauvais choix, très mauvaise décision, si vous voulez mon avis. Vous êtes égaré un petit moment, monsieur Clark, n'est-ce pas? Je crois que vous me parliez de vos cauchemars récurrents à propos de votre petite amie. Elle s'appelait... Nicole. C'est Nicole, bien sûr. Je ne voulais pas finir comme ça. J'aurais tellement aimé te revoir. Juste une fois. Nicoco, comme on l'appelait, nous. Je t'ai toujours aimé. Ah ouais, sur l'oreiller. Ça. Nicole Brennan. Officier médical en chef servant à bord d'un vaisseau brise-surface. L'Ishimura. L'USG Ishimura, oui. De la mission de forage secrète des J-7. Apparemment, les communications ont lâché juste après son arrivée. Et vous étiez avec l'équipe de secours. Vous vous êtes porté volontaire, c'est bien ça? Oui. Qu'avez-vous découvert à bord du vaisseau, Isaac? Oula, oh, si tu savais. Ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'il y avait dans le vaisseau, Isaac? Le monolithe. Vous avez été en contact avec ce monolithe. Il vous a fait voir des choses. Des choses désagréables. Il m'a parlé. Et qu'a-t-il dit, Isaac? Que vous a-t-il dit, Isaac? Isaac! Excellente intro. Bon, moi, c'est la deuxième fois que je la vois, là, parce que j'ai eu un faux départ. Isaac, mais... vous m'entendez? Excellente intro, s'il en est. Dana, j'ai trouvé Isaac. Il est là, avec moi. Bien joué. Sors-le de là, mène-toi le cul. Bon, bon. Ok. Doudou, c'est ça. Ok, je vous enlève cette camisole. Où on est? On est... Vous devez être un peu groggy, je sais. Je peux tout vous expliquer, mais il faudra me faire confiance. Écoutez, vous courez un terrible... Ah bah pourquoi pas. Ah tu vois, fallait te mêler de tes affaires. On n'en serait pas là. Bon allez. Oula. On est où là? On est dans un asile, je me souviens plus. Oh là, tu vas me lâcher là, oui. Les coquins. Ok. Donc là... Oui, c'est une espèce d'hôpital... Épisode 1. Hôpital avec une camisole, donc un hôpital un petit peu renforcé. Pour patients un peu brutal. Comme lui, par exemple. Hein, on voit bien qu'il a une maladie très rare. Hein. Pas commun comme maladie quand on est rouge, quand on rougeoie un petit peu tous ces draps comme ça. Bon, petite save. Oui, on est en mode survivant, mais oui, je vais effacer. On est en mode survivant, mais on n'est pas en speedrun. Hein. Le fanatique, on se le réservera pour plus tard. Déjà, on se le refait en hard. Bon, très bien. Pourquoi pas? Ah d'accord. Bon, pourquoi pas après tout. Ici le directeur Weidman à tout le personnel. Désactivez les sujets clés et occupez-vous de l'installation. Ce n'est pas un test. Terminé. Ah bah non, ça n'a pas l'air d'être un test. Je suis pas expert, mais... Je me suis rendu compte, monsieur le directeur, que c'était pas un test.
Salle d'observation réservée au personnel autorisé. Bon, on va quand même y aller. Ah oui, ça va aller. Dans un asile, voilà. Même si on est dans le futur, un asile, ça s'appelle un asile, hein. Bon, on va où là? C'était noir. Ah, c'était noir. Très sombre, avec du rouge qui brille. Ah oui. Des symboles qui me parlaient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ces symboles cherchaient donc à vous dire? Ils disaient des choses. Je m'en souviens plus, hein. C'est pour ça, d'où l'idée de le refaire, hein. Après l'avoir fini le 1 en hard, l'idée de le faire le 2 en hard, parce qu'il y a plus... Bon, il y a quelques souvenirs, hein, il y a des bribes. Non mais il faut qu'on aille où? Bon, faut qu'on aille là, salle d'observation. En plus là, bon bah on... Ouais, on va bloquer au début du jeu. Alors quoi, c'est la troisième fois qu'on le termine. En état de stase, augmentez donc sa dose à 30 mg. Et nous réessayerons avec lui tôt demain matin. Pas de carte, évidemment. Non, non, non. Nolan Strauss, session 158. Pas quoi, ça? J'appuie sur le pad. Non, bah, y a rien, hein. Juste une salle d'observation. Je suis complètement con. Ce qui est bien possible, hein. Nous. Ah non, là on revient sur nos pas. Nous, on aimerait bien déjà se libérer. Si c'était faisable. Hein? Ce serait pas du luxe. Y'a pas un petit coup de là, un petit couteau à beurre? Un petit couteau à beurre. Il traînerait. Je la reconnais cette tapisserie, vu que je me suis rematé la VOD. Elle était dans le 1, ça, hein? On est sur Terre, quoi, quoi, qu'est-ce, d'où con, de quoi. Non, là, on est en train de revenir sur nos pas. On peut réouvrir ça? Oui. Ah oui, mais là, on revient complètement où on était. On a fait la save. Oh, c'est un départ miraculeux, là, je vais encore gagner 50 viewers, je sens. Pourtant c'est le début du jeu, c'est complètement scripté normalement au départ. Hein, normalement les gens ils ont pas de soucis normalement au début. On vient de se terminer le 1 en hard. Qu'est-ce que c'est que je suis bloqué? Quelle idée? C'est quoi cette diablerie? Alors vous évidemment sur le chat... C'est par là qu'il faut aller, t'as de la merde dans les yeux, t'es trop nul, t'es qu'un con, ton zizi il est tout petit. Je sais ce que vous écrivez. Votre œil se porte bien mieux aujourd'hui. Oui, ok, c'est lui là. J'ai mal encore. Ouais, je vous programme une nouvelle séance. On peut descendre là? Ah, mais on peut marcher! Mais putain, mais qu'est-ce que je suis con! Oh, mais en même temps, et hey, oh! C'est quand même particulier, regardez. On peut marcher. Vous disiez maintenant ce que vous avez vu. Allez, Strauss, je veux vous venir en aide. Bon, je suis quand même rassuré parce que on était 10 000 viewers, là on est plus que 5. Je commençais à me dire, bon, Romain, va falloir activer le pas là. Va falloir activer le pas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bonjour. Et oh là, oh là, oh là, oh là. Et pourquoi de la violence? Pourquoi? C'est patient 4. Je me souviens bien de vous. Feynman a dit que les sujets clés doivent tous être éliminés. Écoutez, abandonnés. Et
Il a dit ça, Taïman. Et à quoi bon? Écoutez-moi. On peut s'en sortir tous les deux. Vite, enlevez-moi cette camisole. Personne ne sort d'ici vivant. Personne. Arrêtez. Il n'y a aucune issue à ce que j'ai fait. On se calme, d'accord? Ressaisissez-vous. Oui, ressaisis-toi, Edgar Foster. Bon, bien rouge. Chaque in de soi a une torche dans ce casier. Ah voilà. J'ai qu'à les prendre. On devient raisonnable. Allez-y. Prenez. J'en ai plus besoin maintenant. Quoi, c'est plus le même bouton pour... Putain, mais les enfoirés, c'est plus le même bouton pour se soigner. C'est pas possible. On va tous mourir pour ce qu'on a pu te faire. Oh bah c'était pas la peine. Alors pour se soigner, c'est plus le même bouton. Ils ont dû recevoir des plaintes parce que c'était le même bouton pour la stase et c'est vrai que c'était super chiant. Alors là, je me plains. Mais en fait, au final, on commettra moins d'erreurs. Bon, qu'est-ce que vous m'avez fait en fait? Vers salle de détente. Je suis pas sûr qu'on va se détendre. Clark. Oui. Isaac Clark, c'est bien vous? Oui, c'est moi. Je m'appelle Dana. Je suis là pour vous sauver. Hein? Que se passe-t-il? Vous souffrez d'une forme unique de démence, Isaac. Vous l'avez contracté sur Régis 7. Comment vous savez? Qui vous dit tout ça? La maladie va vous tuer. Si vous pouvez venir, je peux vous soigner et vous protéger. Pourquoi vous faire confiance? Ce n'est pas moi qui vous tire dessus. Merde. Suivez la voie que j'indique. Bon, on va lui faire confiance pour le moment. Parce que la dernière fois qu'on a eu confiance, Nicole, ça l'a pas trop fait. Et puis l'autre, finalement, elle voulait... Vous vous souvenez, elle voulait le monolithe. On n'a pas trop de chance avec les femmes. Hein. Alors, j'espère qu'avec elle, ça va être un peu mieux. Puis là, on a quoi? On a un pistolet à clous, quoi. J'ose même pas l'utiliser. Ils vont se marrer, les nécromorphes, quand ils vont me voir avec mon pistolet à clous. Bon, il y a un saut qualitatif. Hein. Là, de passer du 1 au 2, appuyer sur RS, traceur, oui. Ah oui, notre fil d'Ariane. D'accord. Maintenez RT, oui bon. Ça on savait. Pour le moment, semble le jeu là. Hein. J'aime bien. J'ai envie d'aller là. Oh, alors madame. Bon, c'est la salle de repos, mais alors ça se repose vraiment, vraiment quoi. Et le son du casque à fond, ça m'a un petit peu réveillé, pour vous mentir. Ok. Pas un petit truc caché là? Ah bah voilà. Pour écouter les transmissions, c'est ça. Appuyez sur pour écouter les transmissions, quoi? C'est quoi? Ah ouais, mais moi j'ai une manette PlayStation, coquin. Enfin, on va être obligé d'aller là-dedans à chaque fois pour écouter une transmission. Franco? Franco, c'était quoi? Oh mon dieu. Isaac! Isaac Clark, si vous m'entendez, courez! Vite! Ah non. On l'a déjà entendu celle-là. Non mais on va pas... C'est quoi le raccourci pour écouter les... On va pas se... Voilà. Rapport procédure service 14-18. Comme la guerre. Nous nous sommes rendus compte que les bâtonnets glacés étaient faits depuis un an sous la forme du monolithe. Et nous avons décidé de rechercher des phénomènes similaires. Nous avons trouvé. La forme du monolithe apparaît sur des bouteilles, des aiguilles de seringues et même sur des coupe-ongles et des pinces à épiler. Nos équipes ont été prévenues de ces découvertes. Ouais bah. Sacrée découverte. Vous avez un sacré métier, messieurs.
C'est bien d'être scientifique. Bon, je rappelle, hein, pour ceux qui arrivent, qu'on est en survivant. Donc on va essayer de survivre. C'est vrai que le jeu est beau. Hein. J'espère qu'il est pas trop sombre pour vous. La capture a l'air d'être exactement la même que la mienne. Bon, vous serez en 720p, évidemment, vous êtes des clochards. Moi, là, je suis en 4K. Bien sûr. Non, je suis pas exactement en 4K. Je suis juste un tout petit peu en dessous. Je suis en 3800 et quelques. C'est pas la vraie 4K, en fait. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que... Ah oui, alors depuis que j'ai vu le monolithe, oui, j'ai des petits flashs, hein. Ça se passe mal au niveau de la... Au niveau tétale. Ah, je me souviens plus du tout du jeu. Je me souviens de certains boss où j'en avais chié. Mais sinon, au niveau du scénar et au niveau de... Bon, il y a certains lieux où je me souviens. On va spoiler. Mais ouais, parce que je l'ai déjà fait deux fois, alors bon, c'est la troisième là. Bon, ça c'était sûr. Zack, répondez. Vous allez bien? Qu'est-ce que vous me voulez? Steinman vous trouve, tout le monde meurt. Et moi avec? Suivez mes instructions. J'aime pas ça. Je vous demande pas votre avis. Maniez-vous avant d'être enfermé. Ah oui, il y avait des trucs à faire avec les deux sticks, je crois. Ah non, c'est dans Batman. Viser et appuyer sur B pour attirer les objets. Oui, c'est la stase. Alors en fait, on a une lampe de poche. Hein. Ah oui, on n'a pas encore d'armes. Ah oui, tout à l'heure on pouvait passer, puis là maintenant on peut plus. Je veux dire, il y a une vitre. Là aussi. Ah, ok. Là, hein. Ok. Le jeu est un peu sombre. Je pense que c'est voulu. Je pense que c'est fait exprès. Voilà, on se remet un petit peu de vie. Il est très très beau, hein. Déjà le 1 est très bien vieilli. Elle était de 2018, hein, Dead Space 1. Le 2, je crois qu'il est, il est de 2011, hein, un truc comme ça. Hein. 2010. Oui, mais moi je vois. Ça fait faussement peur, hein. ça crie, mais... Merde. Ça crie, mais ça va. Et puis encore une fois, on vient de se terminer le 1 en dur, donc ça devrait aller, ça... Ok, bon, maintenant on est full vie. Oui, ben j'ai entendu, hein. Voilà, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose. Non, parce qu'on est en mode survivant, donc il nous faut de l'argent, hein. Voilà. Alors, dans ce jeu-là, dans celui-ci, on va plus utiliser la stase pour attaquer les ennemis. Hein. Dans le 1, on l'a absolument pas fait. Dans le premier, on n'avait pas utilisé, on avait vraiment
appuyer sur RB pour fouiller les cadavres et conteneurs. Comme ça. Ok. J'aimerais bien récupérer ta patte. Non, ça c'est ta jambe. Bon, on a tout cassé. Ah oui, c'était censé me faire peur là. Pardon. Il m'a l'air très particulier lui. J'arrive. Quelqu'un qui a besoin de mon aide déjà. Ah oui, mais on fait ce qu'on peut. On arrive. Vous voyez pas qu'on est en train de dépouiller l'endroit? Oui. Par pitié. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez m'aider, oui. Qu'est-ce qu'il a? Ah non, mais moi je suis pas chirurgien, je peux pas vous retirer ce que vous avez. Bon allez, on va vous aider quand même. Par pitié. Bon, n'ayez pas peur, hein. On aura. Je vais essayer de faire du mieux que je puisse. Du calme, je vais vous sortir de là. C'est un scalpel laser? Un cutter plasma? Oh mon dieu! Putain! Bordel, lui, qu'est-ce que vous foutez? Alerte! Ah ben alors on a pas pu l'aider beaucoup. Ok. Merde, oh, vraiment c'était nul ça. Vous voyez là on peut vraiment utiliser ce qu'on a à notre... Bah pour charger, c'est pas là? Ah non, maintenant pour charger, c'est carré. Bon. Je ne dirai rien. En même temps, c'est vrai que dans tous les jeux, pour charger, c'est carré. C'était le 1 qui nous mettait dans l'erreur. Mais bon, on a passé des heures là à jouer sur O1. Ça va être difficile de... Bon. Je dis rien. On peut le latter, lui? Ah oui, d'accord. Mais t'es un enculé, toi! Ah oui, mais voilà. Vous voyez où ça mène la violence. Bon, il m'a remboursé, c'est déjà bien. De toute façon, on est obligé de le tuer. Hein. C'est pas que pour le plaisir. Alors du coup, voilà, Isaac Clarke maintenant parle. Et malheureusement, bah, ça enlève beaucoup de charme au jeu. Parce que nous, ce qu'on aimait, c'est qu'il dise pas un mot. Ça rendait le tout bien plus mystérieux. Vous devez démembrer les monstres pour les tuer. Je sais, on s'est déjà rencontrés. Essayez de rester en un seul morceau. Chouette. Bon, on va voir. Peut-être qu'on va regretter de pas avoir mis en fanatique. Hein. Là, on l'a mis en hard, mais... Salle d'attente, soins intensifs. Ok. Ce qui est terrible, c'est qu'il éclate même les gens, les gens, quoi. Tout simplement. Pas forcément que les nécromorphes. Et bon, c'est particulier comme état d'esprit. Qui s'attaque aux monstres, on peut bien. Bon, bah, on va à la salle d'attente aux soins intensifs. Ah oui, alors ils ont vraiment fait un effort, hein, vraiment sur les décors et tout. C'est une version plus du 1 en fait. Mais bon, moi je garde un amour particulier pour le premier parce que c'est le premier. Là, ce n'est qu'une remise à jour du premier en plus joli. Ça m'a crié dans les oreilles là. Là, ça m'a vraiment crié dans les oreilles.
Bon, il faut vraiment qu'on on maximise. Hein. Vous êtes d'accord? Je sais que vous êtes d'accord. Bon, là on peut aller à gauche. Bon, bah on va aller à droite. Faut toujours aller là où ils nous disent pas aller. C'est là qu'il y a les secrets. Au courant, hein, je vous le dis à chaque fois. Ah voilà, par exemple. Pour l'instant, ça va. Et bon, au début, c'est... pour l'instant, j'ai l'impression de jouer en mode normal. Hein. Mais bon, encore une fois, on vient de terminer l'eau. Recharge. J'appuie sur X. Ah oui, oui, mais c'est pour la manette Xbox. Petit coquin. Sur manette PlayStation 4. Ok, bon, on a ce qu'il faut là, hein, j'ai l'impression. Non, pardon. Hein ? Par contre, on a un tout petit casier. Hein. Enfin, je veux dire, un petit inventaire. Puis le fait de voir son visage aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu gênant. Moi, j'aimais bien le fait qu'il soit complètement anonyme. Enfin, véritablement, ça enlève du charme. Hein. Appuyer sur pour lire. Non mais moi j'aimerais bien savoir. Je comprends pas. Ça va être chiant hein. Parce que si à chaque fois qu'il y a un message, je suis obligé d'aller là. Ah, les patients deviennent agités et agressifs à notre rencontre, sans doute à cause du nouveau traitement inhibiteur de mémoire. Ils ne se souviennent plus de nous d'un jour à l'autre. Et ils ne se lèvent que sous la menace. Certains sont si effrayés qu'ils réclament des sédatifs avant chaque interrogatoire. L'officier Goussetis a été mordu 3 fois par le 6. Il ne se souvient jamais pourquoi. Il a mal à la mâchoire. Ok. Vous voyez, si on était passé directement par là, bah on n'aurait pas su qu'il avait mal à la mâchoire. Là, on va où là? Au salon supérieur. Oui, j'arrive. Je prenais deux trois bricoles. Il m'a dit des trucs. Vos indications sont nazes. Il y a plusieurs sécurités. Vite, vite, vous brouillez, c'est pas possible. Hey, j'ai pas besoin de votre aide. Viens, on va voir. Oh là, oh là, oh là. J'en ai un dans le dos, hein. Bon, ça c'est fait. Dana ? Pardon ? Dana ! Ok, c'est bon. J'ai besoin de vous. Répondez ! Isaac, on se connaît pas, vous et moi. Mais quoi qu'il en soit, on doit s'entraider. Tideman est votre ennemi, pas moi. Bon, j'ai trouvé un chemin. Bien. Où est-ce que je suis, là ? Comment cette épidémie a pu se déclencher ? Vous êtes sur Titan, une lune de Saturne. Quant à l'épidémie, on se déclenche. Merde! Tideman brûle maintenant! Ça m'aide pas ça, hein. Qu'il brouille. Alors, interne Rebecca Campbell. Et on est en psychologie. C'est agréable d'y jouer sur PC, hein.
vraiment. Ah, un point de force. Alors vous savez, hein, les points de force. Putain, mais... Ils disent à droite pour lire les messages, mais... Non, mais moi, sur ma manette, j'ai pas ce ton de... Je sais pas quoi. Chiant, hein. Ça va... Je regarderai sur Internet, vite fait. Veuillez orienter tous les patients... c'est pic d'anxiété. Ah, réception. Veuillez orienter tous les patients se plaignant d'anxiété et ou de troubles psychologiques aux autres hôpitaux de la zone. Nous sommes débordés et commençons à manquer de médicaments. Entre les récents licenciements à la CEC et les tensions grandissantes entre les unitologues et le gouvernement, je pensais que le pire était derrière nous. Mais ce phénomène est encore différent. Dr. Brian Harper, Institut psychiatrique. Non mais il faudra qu'on trouve le raccourci, hein, parce que ça va vite me gonfler. Ok. Oui, donc je disais que c'était vraiment très 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 agréable d'y jouer sur PC. Hein. J'ai jamais joué dans cette résolution là. Hein. Sur PlayStation 3, il était sympathique. Mais là, à 60 FPS, même autre chose. Bon, on va bientôt faire connaissance de la stase, j'imagine. C'est simple. Oh la VO. Oui, on est en mode survivant, oui, oui. Il me tue en un coup, lui. Comme ça. Bah, d'accord. Alors, c'est comme ça. Il me tue en un coup. Putain. Ah, je me souviens que ça m'avait gonflé ce truc-là. La stase a changé d'endroit. Maintenant, la stase, c'est triangle. Alors évidemment que je me suis planté. Putain, mais je mettre un petit bout de bitonio là vers la gauche, mais qu'est-ce de coup. Évidemment que c'est pas ça. Bon, y a plein de trucs qu'on va pas lire, hein. Ouvrir les portes de sécurité, bien sûr. Donc maintenant, la stase, c'est triangle. Ah oui, pardon. J'avais pas compris que vous étiez con. Ah, ok. Oula, 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 oula. Est-ce bien raisonnable d'avancer dans cet état-là, monsieur? Je serais vous, je... Je me calmerai deux secondes. Ah, j'ai plus de stase. Ils sont dégueulasses. Les nouveaux ennemis, donc. Nous, nécromorphes. Il était joli, là, le petit halo.
t'es mort. Ok. Donc on a rendez-vous avec la nénette. Hein. Mais qu'est-ce qu'il leur faisait là, ici? Regardez-moi ça. Hein? Ça doit faire très mal au cou, ça. Ah, pas du tout. On a 2 points de force. On a plein de sous. Là, on s'est remis de la stase, mais alors je sais pas comment. Là, on recharge. J'ai rechargé ma stase, mais alors je... Ah, il y a un truc là. On a entendu hein, que la stase s'est rechargée. Ascenseur vers les consultations. Il va. On est bien obligé. On est... Quand on commence un jeu, on est bien obligé d'y jouer, quoi. C'est ça que je voulais dire. On est bien obligé. Parce que je reste devant l'ascenseur, ça rime à rien. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais, ça doit être sympa. Sa vie doit être sympa. Ce genre d'hallucination, tu t'en passes bien, quoi. Il faut que je me refasse, hein. Parce que maintenant, recharger ces carrés, la stase, ces triangles. Putain, quand t'as joué des 10 heures... En faisant autre chose, qu'est-ce que I don't want to die, oui. Moi aussi, plus tard possible. Ah ouais, quand on prend. Putain, mais je sais pas comment on les. Alors peut-être. C'est encore un point de force? Donc je trouve que le jeu est drôlement généreux en point de force alors qu'on commence à peine de jouer et qu'on est en survivant. Monsieur Donovan, c'est le docteur Brooks. Je l'ai déjà dit, je vais le redire. Je n'aime pas les secrets autour des nouveaux labos de la psychiatrique. Ça fait 3 ans et nous savons toujours rien sur ce qu'il s'y passe. De telles méthodes n'ont pas leur place dans notre société. Leurs réseaux sont si protégés qu'on ne sait même pas s'ils existent, sans parler des manquements à l'éthique qu'ils peuvent se permettre de commettre en toute impunité. Si les choses devaient rester en l'état, j'en parlerai à Tiedman et j'exigerai un rapport sur ces installations. Terminé. Bon, on se mêle pas de leur politique interne. Nous déjà on essaie de comprendre pourquoi on nous a amené là et pourquoi où on est et pourquoi. Qui que doit donc où est donc Ornicar. C'est moi ou on est revenu? Oui, on est revenu, on était, mais putain, mais... Ah voilà, j'ai encore perdu 5 followers. C'est fou cette manie d'être con comme ça. Ça fait peu de temps que j'ai diagnostiqué ça chez moi. J'ai une mémoire de poisson rouge, mais alors... Violence! Je peux m'arriver d'aller aux toilettes et 10 minutes après d'y retourner, quoi. Non mais. Fou ça d'être con comme ça. Ah, dis donc. Ouh là, ça dure 5 secondes. Moi, c'est tous les jours, quoi. C'est moi, je subis ça tous les jours, quoi. Save yourself. Oh. C'était facile à lire. Ça, je m'en souviens.
Ça, je m'en souvenais. Ça, je m'en souvenais. Toi, tu me dis rien qui vaille. On était sûr. Ok. Ah, faut vraiment les latter encore une fois au sol hein, pour avoir ce qu'ils ont dedans. Mais des points de force, là, on en a déjà 4 là. C'est quoi ce jeu ? Il nous donne plein de points de force. Attends, on va déjà se stocker. Bienvenue au microstock. Ingénieur CEC Isaac Clark. Acheter. Jour de votre inventaire aux normes de la compagnie. Ah oui, non, c'est pas un plan. Acheter. Ah bah on peut. Oui, bon. Ah, c'est... Putain, il y a plein d'armes différentes là. Découpeur lumière. Oh là là, je me souvenais plus de ça. Attends, déjà qu'est-ce qu'on a nous ? On a un cutter plasma, coupeur de roche à haute énergie, tir principal, voilà, on a un cutter plasma, tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Fixateur véloce. Le découpeur forgé. Découpeur lumière. C'est quoi toutes ces armes ? Parce que le jeu, je l'ai pas eu vraiment réglo en fait. Maintenant, faut que je vous le confesse. Donc, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de trucs nouveaux. De DLC. Tenue immunitaire. La tenue immunitaire offre un confort unique. Bonus de soins, 10% de guérison supplémentaire pour chaque kit de soins. 15 emplacements d'inventaire et 15% d'armure garantie. Et combien il coûte ? Ah mais j'ai déjà tout débloqué. C'est honteux. Non mais déjà nous on veut le trancheur. Parce que c'est trancheur massif. Ça c'est quoi? Trancheur industriel. Dégâts de tir principal. J'en sais rien, moi. Je suis pas au courant, moi, de tout ça. Et là, c'est quoi, ça? Lance-javelot sanglant. Je sais pas, on va prendre le trancheur industriel. Dégâts tir principal plus 5%. Recharge moins 10. Ah, la vache. Appuyez pour profiter d'un large rayon d'énergie. Idéal pour trancher plusieurs choses à la fois. Tir alternatif. Appuyez 1 pour lancer une mine à retardement. C'est le même... Dégâts alternatifs plus 10, vitesse plus 5. Et celui-là. Dégâts tir alternatifs plus 5, recharge moins 5. On veut pas le tir alternatif, on l'utilise à peine. Plasma forgé. Non mais voilà, on a toutes les tenues déjà débloquées, c'est de la merde. Moi je veux pas, je veux jouer normalement, je veux faire au petit à petit quoi. En plus il y a même pas de sous. Alors peut-être qu'il faut qu'on choisisse une arme dès le départ. J'en sais rien. Allez, on va se prendre celui-là. Recharge. On va prendre le trancheur massif. On peut toutes les acheter. Le méga PK sanglant, ça c'est bien. Tir dégâts alternatifs plus 10%. Le fusil chargeur étatique. Putain, on va passer 15 ans ici, mais non. Non, on veut le découpeur forgé. Attendez, celui-là, découpeur forgé.
Ouais, lumière ou forger? On prend ça. Lance javelot trieur. On va le prendre en sanglant. Quoi? Ah voilà, trop d'armes. Ok, donc il y a quand même un choix à faire. Bon, je suis rassuré, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce jeu qui me refile tout dès le départ? Oh, pas de copain. Hein. Alors, soit on se... Alors, tenue de sécurité étatique. On a... Alors, la tenue de sécurité étatique vous offre un confort unique, bonus d'armes, 5% de dégâts supplémentaires pour les détonateurs, le fusil chargeur et le fusil d'assaut. Ça, on s'en fout. On n'utilise pas le fusil, nous, pratiquement pas. La tenue Vélos offre un confort unique, bonus de stase, durée augmentée de 10%. Ah, ça c'est pas mal. Là, vaut mieux prendre de la tenue avancée Vélos. La tenue rétro sanglante offre un confort unique, bonus d'armes plus 5% de dégâts supplémentaires pour le lance-flamme, l'ange-javo, le méga PK, non. 15% de guérison supplémentaire. La tenue immunitaire offre un confort unique, bonus de soins, 10% de guérison supplémentaire pour chaque kit de soins, 15 emplacements d'inventaire plus 15% d'armure garantie. Baudric garde vos plus hauts niveaux d'inventaire et d'armure en mémoire. Ça, on va prendre ça évidemment. Mais le bonus de stase de 10%, allez, on prend ça. Non, le bonus de stase de 10%, c'est... Très bien. En fait, il y a quand même un choix à faire, mais que je ne me souvenais absolument pas au début. Non, la stase, ça va nous servir énormément en jouant survivant. Excusez-moi si j'ai passé un petit peu de temps dans le... Oh, yes! Excusez-moi si j'ai passé un petit peu de temps, je disais, dans le menu. On peut s'acheter quand même encore des trucs. Non, non, mais là on est bien. On se casse. On est beau, hein. Appuyez sur pour afficher l'inventaire et les messages. Ah, c'est... Appuyez sur Tab pour afficher l'inventaire et les messages. Franco ? Franco, c'était quoi ? Ouais, on s'en fout de ça. Bon, je fais une sauvegarde. C'est curieux, hein, ils me disent d'appuyer sur un truc, mais je vois pas ce que c'est. C'est un raccourci clavier, hein. C'est rien. J'en sais rien, pour voir les messages. Entrée zone de vide. Et 10% de plus sur la stase. Pardon, c'est vraiment quelque chose de... C'est pas mal, quoi. Hein. On changera de tenue. En temps voulu. En fait, je viens de me rendre compte que quand on se soigne... Ah, ok. Quand on se soigne... Putain. Bah, ça fait longtemps que j'ai joué, hein. Attends, je sais même pas quelle arme j'ai. Ok. Non, non, mais attendez, je sais même pas quelle arme j'ai. J'ai même pas regardé de qui, de quoi, de qu'est-ce. Ça, c'est quoi? C'est le découpeur. Il est où mon super trancheur? Ah, il est là, mais moi, je le veux en haut, moi. Bon, allez. Je crois que maintenant, toutes les... C'est de l'énergie plasma pour tous les...
toutes les armes, hein. C'est ça qui est chiant aussi, ça. Ils ont simplifié le truc, c'est quand même dommage, hein, je trouve. Enfin bon, bref. Ça rigole pas là quand même, hein. Eh, hey, je suis bloqué. Putain, mais yo. On peut recharger en courant, ça c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, on est en survivant là. Attendez, je veux des réponses. Je suis là depuis quand? Steinman vous a récupéré près d'Egis 7. Et il vous a amené ici. Mais pourquoi je me souviens de rien? Le monolithe a implémenté un signal répliquant dans votre cerveau. Plus vous êtes conscient, plus le signal s'étend. Jusqu'à votre mort. Il voulait le contenir en inhibant votre mémoire. Vous pouvez arranger ça, hein? Vous devez d'abord me rejoindre. Station de tram, bougez-vous. Ok, tiens, ça c'est pour la route. On n'oublie rien. J'ai entendu un truc, hein. Ah, je suis sûr que j'ai entendu un bruit. Non? Et attendez, on peut aller là. Hein. Ah oui, c'est normal puisque c'est là où on, oh, c'est là où on doit aller. Ah, oh, ça va. Et celui qui ne s'est jamais trompé jette la première pierre. Putain, et en fait le mode survivant ça va être bien. Et bien fait de pas mettre le mode fanatique. Ok. C'est là, hein, évidemment, parce qu'ils vont... Il y a toujours des petits secrets. Bon, on n'a pas encore trouvé de plan, hein. Ok. Alors, j'ai pas bien compris, il a une maladie. Et plus il se souvient, plus il va crever. Ça paraît bizarre. Ça, hein. Plus se souvient, plus il va crever. Appuyez sur... Ah putain, mais voilà. J'essaie de comprendre ce que ça pourrait être. Peut-être si on appuie longtemps. Non.
Ça permet de faire ça. Non, je vois pas. Hein. Là, on a le javelot. On a la découpeuse. Ah, ça va être chiant. Hein. Je regarderai sur internet. Hein, quel est le raccourci de ce putain de truc. Couper les membres, aller au tram. Cette chose avait... Bon, allez. On va utiliser le plan. Alors, le trancheur massif, ça serait bien. Quand on est dans la merde. On va lui mettre un point de dommage. Le cutter plasma, pareil. Le découpeur forgé, je crois que j'aime bien. Hein. Attendez, on teste un coup, hein, que je me plante pas. Que je regarde que ce soit bien celui que j'aime bien. Déjà il est là. Oui. Ça j'adore. Je suis désolé mais... Ouais donc c'est bien ce que je pensais. Donc on va l'améliorer. Le découpeur voilà. On va lui mettre un point de dommage. Et le lance javelot sanglant. On lui met un point de dommage aussi. Voilà. Et attendez, notre stase à 10% de plus et le monstre était à peine stasé. Curieux, hein. Ok, bon. Là, c'est le stock. Et le stock, c'est toujours pareil, on peut changer d'arme comme ça à volonté. Ah oui, maintenant on peut plus changer d'arme. Faut en revendre une pour pouvoir faire le malin. Mais on peut quand même changer de tenue quand on le souhaite. Attends, celui-là il a une bonus arme de 5% de dégâts supplémentaires pour le trancheur, les détonateurs et le choc laser. 15 emplacements d'inventaire. Lance-flamme, javelot, méga PK. Pour chaque kit de soins, 15 emplacements, ouais. Il n'y en a aucune des armes que j'utilise. Tenue ingénieur, minimum garantie de 10 emplacements d'inventaire et 5% d'armure. Votre rig garde votre plus haut niveau d'inventaire et d'armure en mémoire. Non mais on... Ça on peut le revendre. Oui. Bah oui, oui, oui. Sans... Donc dans notre on se rachète un kit de soins. Bon ils vont nous en refiler, c'est le début du jeu là, ça va. On va faire les cons quoi. Bah voilà, justement. Comprenez pourquoi j'aime bien ça là, cette arme. Par contre ce qui est chiant c'est que on la recharge. Bon évidemment si on court comme ça on va mettre 1000 ans. Ah ouais, c'est mon arme favorite hein, celle-là. Ceci n'est pas un test. Veuillez vous diriger dans... Et là ça envoie sans. Attention, ici le directeur Tideman. C'est lui directeur. Est désormais effectif. En accord avec le code civil de Titan en vigueur, je fais respecter la loi martiale. La loi martiale, ouais, très bien. Bon, la sauvegarde est relativement rapide, ce qui est très très agréable.
Bon, alors là, on est sur, sur Titan. Ok. Verrou de force. C'est ce qu'on va faire. On va aller s'en acheter un. Quitte à perdre tous les followers, au moins qu'on sache pourquoi. On s'achète un point de force. Ils sont où les points de force? On peut pas acheter de points de force dans celui-ci. Ah putain de merde. Énergie laser, mini kit de soins. Non, on peut pas. Ou en tout cas pas maintenant. Allez hop, je me suis acheté des lames découpeur. Attendez. Et deux lames de mes couilles là. On peut pas s'acheter des points de force, on pouvait dans le premier. Ah merde. Ça c'est pour nous foutre la rage. Ils savent bien qu'on les a utilisés sur le plan. Ils sont au courant. Ok. Ah oui, d'accord. Bah ça va être sympa. Ah on peut... Oh, ça servait à rien que je tire dessus. Je pensais qu'on allait aller par là. Je savais pas que c'était un ascenseur. Mein Gott. L'aider, on avait largement le temps de l'aider là. Isaac, on arrête de faire le con. Isaac, par ici. C'est les drogues, Isaac, les drogues qui nous font oublier. Mais ça me revient. Je vois pas ce que vous voulez parler. Pourquoi vous m'appelez? Isaac, Isaac, attention. Et oh là, oh là, oh là, oh là. En même temps, maintenant, le bouton pour se remettre de la vie n'est plus sur la stase, mais il est sur la télékinésie. Donc, pour se remettre de la vie sans faire exprès, c'est pareil. Ah, c'est des apparts en fait ici là. Alors le javelot c'est très bien hein, j'imagine. On va tenter ça. Ah oui, c'est efficace. Je tente un peu toutes les armes. Hein. On est quand même là pour ça. On est quand même là pour jouer. Là, il y a un appart qui est ouvert. Oh putain, mec. Ah non, mais non. Il était mort. Alors, ça, c'est dégueulasse. Il était mort et il m'a craché dessus après. Ça va qu'il me rembourse en munitions. Ah, ça prenait du médoc ici, hein. Vous avez vu ça?
Hein? Vous êtes comme moi, vous tournez à l'anxiolytique au baclofène. En fait, ma stase revient naturellement peu. Ah, j'ai eu peur. Bon, l'énergie combustible, ça... On pourrait changer d'arme, hein. Il y a des armes qu'on n'a jamais utilisées dans l'autre... Dans l'autre Dead Space. Genre le lance-flamme, on l'a jamais utilisé, le PK non plus. Mais bon, là, ça y est, on s'est déjà upgradé des armes. Moi, j'aime beaucoup le découpeur. Hein. J'aime le découpeur et j'aime le trancheur. Oui, d'accord. Oui, il est enfermé dans la machine à laver. Bon, ça nous regarde pas, c'est pas nos histoires. Oh putain. Quoi? Oh putain, je... Heureusement que je l'ai stasé. Allez, viens là. Merde, je l'ai pu. Et je vais mourir. Comme un con de merde. Parce que j'ai... Putain. Ouh lolo. Ouh lolo lolo lolo. Oui, d'accord, le jeu va être... tant d'axe. Qu'est-ce que j'ai bien fait de pas me foutre en fanatique. Là, on a un survival en survivant, c'est déjà très très bien. Mais il est temps de recharger. On en a plus que 3 là. On va rester là-dessus. Hein. Ah oui. Je me souvenais plus que ça pouvait être tendu comme ça. Il se barre de partout là, tout le monde. Les rags de le navire. Hein. C'est joli, hein. C'est toujours aussi joli. Je préfère venir la caisse là. Non. Mais avant le... Je sais pas si on peut modifier ça dans le... Ah voilà. Déplacer. Voilà. Et mon découpeur, il était en bas. Voilà, moi je préfère. Parce que c'est les mêmes raccourcis que quand je jouais au 1. Comme ça, là, j'ai mes marques, comme on dit. Et chiant, c'est qu'on peut pas lire les messages. On peut les lire, mais regardez, c'est comme ça, quoi. C'est super chiant. Mais on s'en fout. Elle va tout nous raconter. Les nécromorphes sont partout. Toute la méduse est infectée. Comment c'est possible? Le monolithe était détruit, je l'ai détruit. C'était un monolithe, Isaac. Mais ils en ont construit un autre. Dans cette station? Pourquoi? C'est une technologie alien très puissante. Timeman veut son pouvoir. Allez au tram, il vous mènera jusqu'au quartier des tours plafonnées. Taylor? Bon sang.
C'est une erreur fatale ce que j'ai fait. Hein. Vous savez, de fumer alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrent, en général, se baiser. Hein. Voilà, la sauvegarde est super rapide. Très agréable. Un petit tour. Lui jouait de la guitoune. Une forme de guitoune. Là, ça chiale. Chialez pas, madame. Ça va être tendu, hein. Ça va être tendu, ils apparaissent très très vite. Mais ça va le faire. Regarde s'il n'y a pas un truc à récupérer. On a vu sa queue. Hein. On l'a peut-être pas vu, mais moi je l'ai vu. Oula, quoi, quoi? Allez, viens. Ah, elle est efficace. Hein. On va passer notre temps à recharger. Hein. Je l'ai peut-être pas dit. Par là. Hein. Je regarde toujours parce que... à la main, ça. Un conducteur en plus, ça se revend cher. Sinon, évidemment, on a les pieux qui sont. Alors, j'aimerais bien avoir le tir secondaire. Ah non, mais non, je fais n'importe quoi. Y a pas de tir secondaire pour celui-là. Il me dit d'aller là. Quoi, quoi, quoi? Ah non, merde. Mais merde, je suis con. Oh, heureusement que j'ai eu le réflexe d'envoyer l'arme secondaire. Heureusement, parce qu'ils explosent. Putain, mais j'ai la valise qui me gêne. Merde. En fait, je suis en train de me rendre compte que mon découpeur... Je vais le déplacer. Il était là en fait quand je jouais. J'ai plus de lame. J'ai plus de lame nulle part. Hein. Bon bah ça va être sympa. Je viens de me rendre compte, oui, qu'il était sur la droite et pas vers le bas. Adjectif. Oh, il a des bonnes hallucinations. Oui, ça, c'est des bonnes hallucinations. On a la gare, là. Attention, les transports à destination du gouvernement sont annulés.
Oh putain. Bon là c'était pas mal joué. Ce qui est bien, c'est qu'il nous oblige à utiliser toutes les armes. On a envie de les latter quand même encore au sol parce que on a, j'ai l'impression que... Hein, quoi ? Oui c'est ça, j'ai bien entendu qu'il y en avait encore un. Ouais, une lame pour deux. Attention, les transports à destination du gouvernement sont quoi ? J'en ai que deux là. Ça, elle m'a l'air bien puissante celle-là. Hein. Mais faut bien viser quoi. J'aime bien sa façon de recharger là. Ça va, c'est pas dur. Ça va, c'est pas trop dur. On reste que deux, hein. On peut ouvrir en maintenant, ouais. Elle est puissante celle-là. Hein. Elle est tellement puissante. Ah oui, ça c'était la révélation à l'époque. Ouf. Ah pardon. Oui. Je me souviens que c'était à l'E3 de je sais plus quelle année, quand ils avaient annoncé Dead Space 2. Il y a eu cette séquence où on le voit quitter la rame de métro, là pour rejoindre l'autre, et tout le monde avait applaudi dans la salle. Ok. Putain mais je suis une buse hein. Voilà. Je me suis trompé dans les... Les touches n'étant pas les mêmes que dans Dead Space 1.
je me plante encore là. Mais je suis trop con hein. C'est pas du tout la bonne arme. Je me suis planté. Putain. Allez, 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 allez. Fou. Ok. Dana, je passe par où? Tout va bien? On vous a perdu. Arrête, surprise. Je suis où? Qu'est-ce que vous faites là? Ok, c'est pas le meilleur chemin, mais ça vous mènera au secteur résidentiel des Tours Cassini. Bon sang! Steinman a votre signal! Bougez-vous! Ok. Vous comptez beaucoup pour eux, Isaac. Tenez bon, je vous recontacte. N'hésitez pas à me dire hein, dans le chat si le son du jeu est trop fort. Il y a par moments, j'ai l'impression. Ok. Je pense qu'on a rien oublié d'essentiel. Salut mec, tu vas bien ? Tama, est-ce que t'es prêt pour ce soir à minuit pour visage? Est-ce que tu comptes revenir? On termine ce jeu, hein. C'est quoi ces gosses là? Ah parfait, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bah tu vois, en attendant j'ai relancé Dead Space 2 en mode survival. En mode survie. Le mode fanatique me faisait un peu peur pour le moment. À quelle heure visage? À minuit. Pour être bien sûr que les enfants soient couchés. Non, je plaisante, je veux dire tard quoi. À quelle heure il est là déjà? Ah, il est 21h. Ça fait déjà 1h30 que je stream. Je vais faire une petite pause. Là, je suis sur la petite partie 1 de Dead Space 2. Ouais, en survivant en fait. Par où on passe là? Ça me donne envie d'aller là, mais on peut pas. À toutes, mec. Alors vous, je sais pas qui c'est qui vous a éduqué, les gosses. Merde. Oh mais merde. Ah, attendez. Faut que je...
il faut que je trouve quelle serait la meilleure arme contre une attaque massive là comme ça. J'ai l'impression que le son du jeu est un peu fort, mais bon. Alors attendez, je n'ai que deux lames comme ça. Ça c'est pas mal. Putain, j'ai pas beaucoup d'armes. Hein. Sachant qu'ils arrivent de partout. Ah, il va falloir optimiser. Hein. Déjà que je me souvienne voilà. Là c'est gauche, là c'est droite. Ok. C'était pas mal là de se faire les deux comme ça. J'ai loupé. Ça va être chaud après. Ça va être chaud. Je suis planté dans les tours. J'aurais dû prendre le trancheur. On est vite submergé. C'est pas du tout une bonne idée d'utiliser le javelot. Le javelot, c'est de la merde. Déjà, voilà, c'est ça qu'il faut que je change. C'est que le javelot, il faut pas que je le mette là. À chaque fois que je me plante, le javelot, on le déplace, on le fout là. Ok. Allez, on recommence. Voilà. Il faut vraiment optimiser. Isaac, toujours en vie. On a peu de temps. Il détecte nos signaux. La mémoire vous est-elle revenue? Je me rappelle les bonnes choses. Et les mauvaises. Plus je me rappelle, plus j'ai des mots. Je vois toujours les symboles. Vous voyez le symbole, Isaac? Et cet homme? J'arrête pas de voir ça. Fais chier, ils m'ont trouvé. Allez, on va... Comment fais-je pour... Voilà. On va se mettre en mode parlotte. Voilà, très bien. Bon, bah, merci de m'avoir suivi hein, pour cette première partie de Dead Space 2. Je reviens ce soir à minuit pour Visage. Qui est très bon. Hein. Très beau, qui est très bon. Donc n'hésitez pas à me rejoindre hein, sur la chaîne Bosseron 14. Merci pour les curieux. Et puis, tout à l'heure. Voilà. Puis on reviendra aussi pour Dead Space 2. Hein. Je compte le faire entièrement. Voilà. Ça me plaît de me lancer à... Je sais pas si je ferai le 3, hein, mais bon. En tout cas, on va se faire le 2 entièrement. Donc je vous dis à tout à l'heure. Embrasse. Tchuss.